Dirigeant d'Afrique et des plus hautes institutions internationales, ministre des Finances, représentants du secteur privé et de la société civile, tous étaient présents à la réception de bienvenue. Une réception tenue en prélude à la conférence de haut niveau sur l'essor africain organisée par le Mozambique et le Fonds monétaire international FMI à Maputo, la capitale mozambicaine. Suite à la crise financière de 2008, de l'aide internationale a été mobilisée en faveur de l'Afrique à une conférence tenue en Tanzanie en 2009 pour permettre au continent d'amorcer son développement. Des années plus tard, des progrès énormes ont été faits par le continent en termes de croissance, mais aujourd'hui il faut maintenir cette évolution. Plusieurs séances plénières et groupes de travail, ainsi qu'une table ronde de conclusion des travaux sont au menu de cette conférence. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan prendra la parole en même temps que Christine Lagarde, la directrice générale du FMI le vendredi 30 mai. Ils interviendront sur le thème « Prochaines étapes et actions communes ».